Ouais, il y a énormément de déceptions. Voilà, on a fait ce qu'on voulait faire. Un vrai match de coupe avec des occasions, de l'efficacité de notre côté. Malheureusement, malgré le fait qu'on mène deux fois au score, on n'a pas réussi à maintenir et même un point, on l'aurait pris volontiers. Donc il y a énormément de déceptions parce qu'on avait mis les ingrédients pour avoir un résultat positif. On ne va pas lâcher, on va continuer à bosser. Il y a encore 5 matchs. Voilà, tout est jouable encore. Aux côtés de Dimitri Payet. Dimitri, c'est la semaine des matchs un peu fous. En fait, il faut que vous soyez mené, il faut vous faire surprendre en début de match pour finalement vous imposer. Ouais, c'est surtout qu'on fait de la merde, tout simplement. Voilà, on vient ici, on a fait un match de ouf jeudi. Et en 3 jours, on oublie les fondamentaux, on oublie de jouer simple, on oublie de jouer en équipe, on oublie tout. Et forcément, face à une équipe qui joue sa survie, on peut que se faire surprendre. Dimitri, vous faites quand même une belle opération parce que Lyon avait mis la pression hier et je vous sens énervé. Oui, bien sûr qu'on est énervé parce que si on veut être exigeant avec nous-mêmes, on ne veut pas sortir ce genre de prestations. On gagne, mais il faut aller brûler un cierge à l'église parce que honnêtement, on ne mérite pas cette victoire. C'est bien de prendre les 3 points, mais à jouer comme ça, on ne pourra pas sauver la baraque le week-end.